Donc on y va, on attaque. Ok. Alors, toi, je sais pas comment tu fais. Moi, je m'embête pas du tout. C'est-à-dire ? Je pense tout, moi. Donc l'angle, je vais plutôt le faire à la main. Tu vois le bord ? Oh, c'est vrai, l'escabeau. Mais non, c'est grand. Il monte 5 cm. Après, tu peux prendre le rond, si tu veux. L'avantage du rond, c'est que lui, il te rattrape bien la surface. Celui-là, il est vraiment bien. Et celui-ci, il va te faire les coins où tu accèdes pas trop, tu vois. C'est plutôt difficile. Voilà, mais autrement, c'est souvent à la main. T'as les trois dans la main quand tu prends ? Non, c'est pour vous, là. Là, et puis c'est le départ, tu vois. C'est là où il y a de la matière. Bah attends, je vais chercher un banc. Bah oui, mais bon, le temps... Bon, je le reprends après. Vas-y, repasse la main. Ok. Et t'as pas besoin de t'y attarder. Là, on n'a pas rendu non plus. Hein. Tu passes systématiquement un petit coup après ta prise d'impression. Ouais. Partout, tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va faire la tension. Ouais, et le grain final. Quoi. Ouais, puis tu vois là, tu vas-y, mets la main, t'as compris. Hein. T'as tout compris. Ouais, c'est tout doux. Ah ouais, c'est nettement tout doux. Et il reste pas grand chose sur la main. Hein. Non, ça va, ça va bien. Là, comme le papier est neuf, je l'ai changé. Donc évidemment, ça va vite au niveau de la retouche. Tu vois, tu peux aller dans tous les sens avec ces pH, j'aime bien. Alors au début, tu as beaucoup de mal à l'utiliser parce que tu es là, surtout quand le papier est neuf, tu es toujours en train de coincer et tout, mais en fait, c'est de la souplesse qu'il faut que tu apprennes. Donc une fois que tu sais l'utiliser, bah, ça avance bien. Et puis au cas où ça fait un manque ou un oubli ou un problème, tu n'as même pas besoin de regarder, tu le sens à ta perche, tu le sens au son de ta perche. Tu vois, tu l'entends dans que ça frotte plus ou moins. Voilà. Et surtout au niveau de la main, tu le sens. Et là, du coup, tout de suite, je sens que j'ai changé de matériau. Tout de suite. Ah, parce que là, on est sur la partie 2 en 1. À partir de là, on est sur un enduit 2 en 1. Donc là, foncez plus léger. Ah ouais, le fonçage est plus léger. Tu sens que tu as plus de poussière. Et en fait... Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y aura pas à balayer, là. Parce que la poussière est lourde, parce que c'est de la poussière de surface qui est peinte. Donc du coup, ça tombe tout sur le sol. Ouais, puis on va souffler. Ouais. On va mettre un petit coup de souffleur, parce qu'il ne faut pas garder cette poussière. Tu risques de l'enfermer avec l'air lace dans ta... Comment ça s'appelle ? Dans ta plinthe. Ouais. Je reviendrai dessus avec un escabeau. Des fois les angles... Donc tu vas faire tous tes murs. Tous mes murs. Et tous les plafonds. Tous les plafonds. Donc, tu n'es pas obligé, tu peux peindre directement dessus, mais tu vois, regarde. Pourquoi je fais ça ? Parce que tu peux très bien avoir... Là, la personne, elle a enduit et j'avais poncé entre. J'avais d'abord poncé, et puis après, il est venu refermer son caisson. Et en fait, il a fait aussi le couloir, ouais. Ça. Et il a refait 2-3 éléments dans les chambres. Mais j'avais déjà poncé. Et en fait, je me suis aperçu tout à l'heure, tiens, regarde, qu'il y avait des petits bouts d'enduit. Ouais. Alors tu te dis, ok, c'est bon, tu mets la main là, mais en fait, tu n'as pas vu, il y a quelques petits bouts d'enduit qui sont tombés. Le mieux, c'est de tout... Moi, c'est ma méthode. Donc, il me reste le caisson. Le plafond, je ne le reponce pas systématiquement entièrement. Je le fais que localement, là où nous avons fait des retouches. Ça te fait une grande partie, mais après la main, ça reste l'outil le plus précis. Hein. Ouais, l'outil parfait. Oh pardon. C'est nous. J'ai mal regardé. Ah, l'outil parfait, c'est nous. Ouais, l'outil parfait, c'est toi. Attention ma main. Ok, bon bah là tu vois, on va passer à la continuité et si on change de ponçage en cours de route, on met ça dans la vidéo. Ok. Tu prends pour qui là, pour Dr House? Oh yeah. Ah, où ah, c'est ça.
Bon, sur ce, on te laisse. On range le matos de ponçage là. Bon, allez, dis-lui au revoir parce que. Pas possible. Salut toi. Allez, on passe à... au dépoussiérage. Tu veux qu'on la dépoussière la machine? Ça ira. Ça ira. Je pense que ça ira, mais non, ça n'ira pas. Qu'est-ce qu'il y a? Celle-ci, à chaque fois, on oublie cette petite pièce. Ah bah oui. Allez, c'est la peinture. Ah non, attends.